Chers parents, bonjour. Comme vous le savez, le budget de notre établissement privé fait l'objet d'un dépôt auprès des autorités ministérielles début janvier. Ce budget est calculé après avoir fait le total des dépenses de fonctionnement, des salaires et des compléments versés au personnel. Une fois ce total des dépenses réalisé, il détermine les recettes qui sont constituées des frais de scolarité payés par les familles, qui sont les seules ressources du lycée. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la survie de notre établissement. Depuis 4 ans, aucune augmentation n'a été appliquée par la mission laïque française, malgré les augmentations des dépenses. La France, depuis plusieurs années, apporte une aide importante aux établissements. Les travaux suite aux explosions du port, les coûts liés au Covid, des équipements informatiques, tout ceci ne rentre pas dans le budget et donc n'a pas été payé par les familles. Et surtout cette année, les salaires des résidents français sont pris en charge par la France intégralement, ce qui représente une somme très importante qui n'est pas payée par les parents d'élèves. La France continue d'aider de nombreuses familles par l'intermédiaire des bourses. Cette année, ce sont 208 élèves qui seront accompagnés. La dollarisation qui touche tous les domaines devrait nous conduire à présenter un budget réaliste mais contraint. Les frais d'énergie coûtent chaque mois à l'établissement plus de 350 millions de livres libanaises. Sur l'année, nous allons dépenser plus de 4 milliards pour les générateurs. Si on ajoute à cela les salaires des personnels hors résidents, c'est l'intégralité des frais de scolarité au taux de l'année dernière qui sont absorbés, sans entretien, sans contrat, sans fourniture. C'est donc intenable. Et tous les établissements privés vont augmenter leurs frais ou demander des dollars aux familles. La mission laïque française a fait le choix de ne pas imposer aux familles un versement en dollars. J'ajoute que ce budget a été élaboré avec un taux de change de 25 000 livres libanaises pour 1 dollar et 1 dollar à 3 008. Aujourd'hui, ces taux sont déjà dépassés. Notre établissement souhaite continuer à vivre et à offrir à vos enfants la même qualité d'enseignement reconnue auprès des parents d'élèves. L'équilibre budgétaire nous conduit donc à augmenter les frais de scolarité. Nous sommes bien conscients de la complexité de la situation actuelle, mais nous n'avons pas d'autre choix. Malgré une augmentation importante, nous allons présenter un budget qui sera encore cette année en déficit, car la mission laïque a décidé de prendre à sa charge une partie importante des gratifications des personnels que nous devrons accompagner pour qu'ils restent au lycée. Nous allons également engager une étude sur l'installation de photovoltaïques pour diminuer notre dépense liée aux générateurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'augmentation des frais de scolarité sera de 115%. En moyenne, ils passeront donc à environ 20 millions de livres libanaises par an, selon les niveaux. La mission laïque française fête cette année ses 120 ans de présence au Liban et son objectif pour les années à venir est très clair. Ne fermer aucun établissement scolaire. Je suis conscient de l'effort important que je vous demande, mais nous n'avons pas d'autre choix. Je sais compter sur votre attachement au lycée Verdun et sur votre volonté de le voir poursuivre sa mission. Nous comptons sur votre compréhension et sur votre fidélité.